Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série où je joue avec mes snipers préférés. Et pour ce deuxième épisode, nous allons jouer, comme vous pouvez le voir, avec le Shetak. Du coup, là on fait cette game, mais vu que je viens d'y rentrer alors qu'il restait 7 minutes, on en fera une deuxième. Or, petite anecdote hein, pour cette game où en soi on va pas essayer d'être premier. Alors, je viens d'enregistrer pendant une heure de temps 3 games de chasseurs de primes parce que j'arrivais pas à être premier. Oui, je sais, la galère, la galère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes enregistrements, ils ont full bugué. Du coup, là, j'essaye d'enregistrer d'une autre manière. Ça va pas du tout être pareil, les vidéos. En tout cas, pour moi, pour le montage et tout, ça va pas du tout être pareil. Donc, s'il vous... Ah, mince. S'il vous plaît, dites-moi si vous trouvez que là, cette vidéo est bien. Vous me direz vers la fin de la vidéo en commentaire ou en MP hein, sur Discord, Twitter, Snap, comme vous voulez. Mais je veux savoir si vous, ça vous va. Déjà, si ça bug pas, hein, parce que si cette vidéo sort, ça veut dire que normalement, elle bug pas, je l'espère. Parce que sinon, je vais péter un câble. Parce qu'en fait, avant, j'enregistrais, pour ceux qui s'y connaissent un minimum, avec OBS et Nvidia... Ouais, bon, c'est sûr que si j'ai pas ma main sur la souris. Et avec Nvidia, GeForce Experience. Là, j'enregistre seulement avec OBS et on peut, grâce à des raccourcis, changer de scène. Donc, passer comme ça, hein, pour l'exemple. Normalement, là, ça passe à ma caméra et là, ça repasse au jeu. Parce que j'ai réglé mes raccourcis. Normalement, du coup, j'espère que ça fonctionne. C'est la première fois que j'essaye. Bon, j'espère vraiment que ça fonctionne. Et bah du coup voilà, je vais essayer de m'y prendre un peu comme ça. Ça va plus du tout être pareil en montage. J'aurai plus autant de liberté au niveau de la caméra et tout. Mais on va essayer de se débrouiller. Genre, le principal, c'est que la vidéo bug pas, qu'elle sorte et qu'il y ait une bonne qualité, que ce soit audio et visuel. Voilà les potes, ce fut le petit point, la petite anecdote. Je préfère parler de ça tout de suite, plutôt que de faire une vidéo spéciale mise au point de 2-3 minutes qui n'intéresse pas grand monde, tu vois. En vrai, je préfère faire ça. Ok, j'ai eu un petit freeze. Du coup, je suis passé en dessous, mais c'était pas le but. Je suis sûr que là, du coup, il y a un mec. Non? Attends, what? Oh, ce fut stressant, ce fut stressant. Heureusement qu'il m'a pas one-shot. Ah, ah, ah. Lui, j'aimerais bien le choper. Ah, fuck. Je pensais bien qu'il savait que j'étais là. Mais bon, j'étais pas sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui campent sur la banquise? En plus, je suis dégoûté, en vrai. Je suis vraiment hyper dégoûté. Dans le sens où... les 3 chasseurs de primes que j'ai faites, où j'ai fait que du top 5. Les 3 que j'ai faites, c'était sur la map Exclusion Aria. Là, moi, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc assez ouvert, chiant et tout. Et du coup, moi, ça me saoulait. Je voulais tomber sur cette map enneigée. Et je suis tombé dessus aucune fois. Et là, bah, la fois où j'y arrive, de 1, je fais toujours de la merde. Et de 2, j'arrive en milieu de game. C'est pas ouf. Prochaine game, on prie pour que ce soit sur cette map. Et on fait top 1. J'ai entendu. Il y a quelqu'un, normalement. Mais what? Mais j'ai entendu son... Mais d'accord, il était en dessous. Mais non. Aïe, 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 aïe. Bah, oh, je suis le dernier de la game. Oh non, 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 mais... Et, or, ça, c'est un truc que j'ai dit dans la vidéo qui était censé sortir, mais qui a full bug. Il y a un truc, sur cette série, pendant que je joue au sniper, ma classe préférée, en chasseur de primes, mon mode de jeu préféré après le chaos, je pensais pas sortir une seule vidéo où j'allais avoir un score négatif. Et ça se reproduit. C'est le Shetak ou quoi là? Mais en vrai, je kiffe le Shetak, hein. Sinon ce serait pas le deuxième épisode de mes snipers préférés. Mais je comprends pas. En vrai, je suis perdu. Aujourd'hui, je suis perdu, je sais pas ce que je branle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je dis? Comment c'est possible de louper cette balle? Hein? Comment? Eh bah, tu sais pas, tu sais pas. Ça me saoule. En vrai, là, tu vois... Je me dis, j'ai peut-être trouvé une solution qui est passable pour les vidéos, là, avec OBS, les paramètres. Donc, j'espère que là, ça bug pas et que vous, vous trouvez que c'est une bonne qualité. Donc, vraiment, j'espère. J'espère que ça fonctionne. Et du coup, je suis un peu moins qu'avec tout à l'heure. Genre, là, je me dis que ça va passer tout. Du coup, j'ai des espoirs. Je souris un peu. Mais,
si je remarque après qu'il y a des bugs, je vais péter un câble. Mais du coup, je vous dis ça, sauf que vous, dans tous les cas, hein, si la vidéo sort, là, vous écoutez, vous vous en branlez, vous savez que ça fonctionne. Et si ça sort pas, bah vous entendrez jamais ça et vous le saurez jamais. Donc, bon. Non, mais où tu t'es pris pour qui, toi? Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que ça allait pas passer. On y était de peu. Ouf, c'était beau. J'ai eu de la chance. C'était très beau, quand même. Ok. Lui, quoi? Oh, j'ai eu de la chance. Attends, un troisième kill? Un troisième kill? Oh là là, et cette map, je l'aime bien, voilà, tu vois. Attends, attends, quoi? Je comprends pas. Ah, je recharge. Allez, on essaye le dernier. Ah! Allez, allez, allez. Allez, c'est bon, ça passe quand même. Et top 5, et j'ai réussi le top 5, je me suis rattrapé de ouf. En vrai, ça va, hein. Du coup, on se retrouve pour la deuxième game. Et là, ils vont tous choisir Bagentag et ça va être sur cette map. Les potes. Voilà, j'ai essayé de mettre la caméra. On essaye de faire top 1 cette fois-ci. On réussit, s'il vous plaît, il faut que j'y arrive. 75% de précision. Mais du coup, vous voyez pas, je vous remontre. Voilà, c'est parfait. Sur ce, on se retrouve pour la deuxième game. Du coup, les potes, je viens de penser à un truc durant l'écran de chargement. C'est un signe. Je dois faire top 1. Je sais, normalement c'est je dois finir premier, mais j'ai trop l'habitude de Fortnite, maintenant c'est top 1. Allez, en plus, alors, un nouveau signe, premier sang. C'est la map dans la neige, et c'est le Chetak camouflage hiver. Donc, ça, important. Notez-le bien, les potes, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouveau sur Warface. Les camouflages hiver, une bonne partie, je crois que la moitié des camouflages hiver changent certains stats des armes. Du coup, le Chetak, je l'aime beaucoup en temps normal, mais je le jouerai pas. Ouf, j'ai eu chaud. Je le jouerai pas en temps normal. Mais le Chetak camouflage hiver, je sais pas c'est quoi qu'il a en plus. Je me souviens plus, je l'ai eu il y a 2 ans grâce à un event. Mais il est trop bien. Je crois que c'est les dégâts qui en plus, je suis pas sûr. Ah, lui, je le... Et si je fais ça? Ah ah. Je suis une grosse pute. Vraiment? Bon, après, il campait aussi un peu, hein. Attends. Ah, j'avais oublié. Je me suis rappelé à la dernière seconde. J'avais totalement zappé qu'on pouvait sur les côtés. Pour le moment, je suis premier. Par contre, du coup, il m'a tué avec un auto. Ça saute. Encore sur cette map, ça peut passer. Mais sinon, je le supporterai pas. Vas-y, on est premier au début. On a fait le premier sang. On a un camouflage hiver sur Icebound. Les potes, il faut faire top 1. Top 1. Ah mais attends, comment j'ai fait pour pas le voir? Comment j'ai fait pour pas le voir? Mais... Mais c'est bon, non mais là, c'est bon, je suis mort 0 fois et d'un coup, du moment que je meurs 1 fois, ensuite je fais que de me faire tuer. Instant, ça m'énerve. Je vois même pas les mecs, c'est ça le pire. J'ai eu chaud, j'étais pas loin de le louper. Eh, mon gars là, tu fais quoi? Non, tu feras pas un doublé, toi. Ah! Ah ouais, ah, j'étais perdu. Je savais pas exactement où c'était, je suis bête. Dommage, dommage. Je perds des points bêtement. Attends, attendez. Est-ce que lui, il est encore là? Il a pas l'air, mais par contre, il a l'air d'être là-bas, quoi. Ah, il n'y a plus les points. Et du coup, il sait que je le suivais, puis moi, je l'ai perdu. Ah, ça va. Ok, je vais gratter les 2 plaques. Ça va, pour le moment, on est bien. Cette map, je l'aime beaucoup, en vrai. Elle est pas autant ouverte que la nouvelle, la exclusion area, ou je sais pas comment. Comment il a fait pour aller là? Ok, ah, ok, bon, ça. Plus simple que ce que je pensais. En vrai, les potes, j'ai tellement d'avance. je pense que c'est bon, hein. On l'aura, notre top 1. Là, si j'arrive à perdre ça, c'est que j'abuse. Je vais essayer de passer par là. Vas-y. Gyroscope, désolé. Ah,
Sauf que le mec, ça doit être un campeur. Ah non. Ok, parfait. Bon, du coup, j'ai Earthscope. Mais j'ai pas tué en Earthscopant. Il y a du progrès. Il m'a fait stresser. Pas de pistole en 5v snipe, hein. Ça, mettez-vous-le dans le crâne. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Arrêtez de sortir votre pistolet quand vous êtes en snipe, v-snipe à verrou. Si c'est du semi-auto ou du automatique, ok, sortez de pistole, on s'en fout. Mais en bolt les bolt, enfin verrou contre verrou, s'il vous plaît les potes, s'il vous plaît. Surtout sur PC, hein, vu que je joue sur PC, jouez seulement avec le snipe. Sortez pas le pistolet, faites du beau jeu. Ou le cut c'est marrant. Une mine aussi, sauf que les mines, en général, on les a pas trop sur les snipes, vu que c'est interdit en rank. Je sais pas si ça a été enlevé, vu que ça fait longtemps que j'ai pas suivi les actualités de Warface. Je sais pas si les mines, maintenant, on y a le droit, parce que je sais que l'équipement seigneur de guerre, le casque par exemple, maintenant on y a le droit. C'était beau, je m'en fous, c'était beau. Ah. Et du coup, est-ce que je vais réussir à me venger? Je sais pas exactement où c'est. Attends. Ok, et du coup... Bah non. Ah oui, ah ça c'est un truc que j'ai toujours galéré. Toujours. Quand il y a seulement la tête qui sort, j'arrive pas, hein. S'il y a quelqu'un qui sait, n'hésite pas à m'apprendre. Tu me le dis. Et voilà. Mais vraiment les potes, aussi, je sais pas si vous le remarquez, d'habitude je fais la colorimétrie. Donc qu'est-ce que la colorimétrie? C'est les couleurs en gros. D'habitude je change les couleurs de mon jeu depuis le logiciel de montage pour qu'à la vidéo ça donne des couleurs assez différentes et plus belles, et que ce soit mes couleurs à moi, tu vois, genre on va dire mon identité. Je sais pas trop si ça se dit, mais voilà. Oh, il y a beaucoup de plaques. Ah ah ah. Ah fuck, lui il va se faire plaise. Oh, en plus c'est le deuxième qui va se faire plaisir avec les plaques, du coup il peut prendre la place. Enfin bref. Et du coup là, vu que je fais depuis OBS et qu'il y a ma caméra en même... Non mais c'est bon, calme-toi. Et qu'il y a ma caméra en même temps, je peux pas faire depuis le logiciel de montage, parce que ça fait pas deux sources différentes. En gros d'habitude j'ai ma caméra... Enfin j'ai un enregistrement avec ma caméra et un enregistrement avec le jeu. Là l'enregistrement c'est jeu et caméra. Voilà, désolé pour ceux... qui n'ont jamais touché à tout ça, genre ça peut être assez compliqué à comprendre, mais j'essaye... Ah merde, je suis passé deuxième, fuck. J'essaye d'être le plus clair et simple possible, genre de faire de la facilité. Par contre, j'en ai marre de me faire tuer du moment que je parle, mais je veux parler. Et du coup, là j'ai changé les couleurs du jeu directement depuis OBS. Du coup, là j'ai pas changé les couleurs de ma caméra, mais celles du jeu. Est-ce que vous trouvez que ça fait bien? Parce que du coup, moi j'ai... Y'a un mec? Ouais, y'a un mec. Ok, parfait. Ah, puis en plus, c'est le premier. Allez, parfait. Du coup, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Parce que j'ai testé les couleurs, mais seulement depuis... depuis le menu du jeu. Pas en jeu, du coup, je sais pas ce que ça donne, et moi je verrai au montage. Du coup, je sais pas si vous trouvez que c'est bien, mais n'hésitez pas à me le dire. Allez, on va essayer d'être premier, là. Ah! Ah, il a bien joué! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh! Allez. Oh, fuck. Oh, mais non, mais c'est le premier, mais... Je fais que de la merde contre lui. Ah non, on est quand même en 3-3. Ok. Mais, ça m'énerve. Faut que je gratte du kill... Ok, heureusement qu'il a pris du temps et qu'il m'a loupé aussi parce que du coup il a tiré avant. Allez, on doit finir premier les potes. Ça c'est très risqué ce que je fais, de passer au milieu comme ça. Ok, ça passe. Allez, je pense que c'est un mec. Ah, non. On va essayer. Ah mais si, c'était ça, je le voyais pas. Ah, oh, ça me saoule. Mais lui, du coup, il m'a tué deux fois en campant tout à l'heure à un endroit. Et cette fois en campant aussi, Electric Radish, niveau 80, grosse merde. Ah, quoique, il a pas de ping, du coup, allez, je peux le comprendre. Il a une seule barre, allez. J'ai fait de la mauvaise langue, désolé. Allez, en vrai, je peux encore être premier, hein.
Bon. Et on essaye de gratter des points comme on peut, ok? Oula, oula, attends, je te vois pas. Ok. Eh mais vraiment, je galère à aller voir les gens, c'est incroyable. Là, est-ce qu'il campe? Mais... Ah, what? Ok. Ah, putain, mais pourquoi je galère autant à aller voir? Ok, c'est bon. Du coup, il y en a un autre qui va arriver à gauche. Ah, il me voit. Ah! Compliqué. Je pense... Et heureusement qu'il s'est loupé. Hein. Je pensais pas qu'il allait venir. Enfin, en glissant comme ça. Et regardez, il campe... Attends, avec un semi-auto. Mais là, c'est abusé. Semi-auto ou auto. Je vois pas sa tête, ça me saoule. Tu m'as pas vu. Ok, parfait. Et lui, du coup, il sait où on est. Je vois pas sa tête. Ça me saoule. Ok. On est encore sur un enchaîne. Ah, fuck, je l'avais pas vu. Mais j'en ai marre en vrai les campeurs. Mais en chasseur de primes, tu vois, tu t'es obligé de t'y attendre. Tu peux pas forcément rager contre des campeurs. Par contre, des campeurs avec un automatique... Semi-auto encore, ça passe. Mais avec un automatique campé... non. Surtout quand les mecs, ils ont de la connexion. Ça, c'est... ça me casse les couilles. Oh, il y a tellement de plaques. Pourquoi le mec, il les ramasse pas? Ah, fuck. Mais il y a 40 000 plaques, c'est incroyable. Et le mec, il est loin d'être premier. Il est pas dans le top 5, je crois. Ok, bah parfait. Comme ça, j'ai pas de peur à avoir. Regardez là. On le voit, le point sur la map. Le mec, il est en train de camper. Par contre, il me cale pas. Tant mieux. Ou peut-être que là, il est en train d'hardscope, moi. Attends, quoi? J'en ai marre. Bah, il est passé où? Puis il y a un mec encore au-dessus. Ok. Ah putain, et en vrai il a bien joué, je pensais que lui il était justement en train de camper au-dessus, mais pas du tout. Ok. Ah, une plaque. Ah, et un mec. Parfait. Par contre ici sur le bateau il y a souvent un campeur et j'arrive jamais à savoir où c'est. Enfin genre il y a souvent des campeurs, voilà. Parce que là sur cette game encore je crois pas que je me suis fait tuer depuis là-bas. Mais ouais, s'il y en a qui savent aussi où c'est sur le bateau que les gens campent. Et bah vous êtes des dieux, voilà, tout simplement. Vous avez un œil de sniper, jouez snipe. Et j'essaye d'activer le machin, j'y vais en mode bourrin. Ah, bon, faut déjà réussir à se mettre dans l'escalier, quoi. Ah, y'a personne. Ok, parfait. Allez, toi. Attends, c'est tendu. Bordel, mais je comprends pas, genre, dans ma tête, c'est pas exactement à cet endroit, genre. Quand je vois les points sur la map... Je me dis que c'est un endroit, tu vois. Je visualise un peu un endroit et ce que je dois faire. Et mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Du coup, la minimap, elle m'aide dans le sens où je sais qu'il y a un mec à peu près dans cette direction. Sauf que si je me focus trop dessus, et ben en fait, je fais de la merde. Et du coup, je sais pas si ça peut en aider certains, mais juste regardez la minimap, c'est hyper important. Mais restez pas trop focus dessus. Ok, or là, mec. Attends. J'ai cru que j'allais la louper. Hop. On gratte les plaques. Les plaques, ça apporte 100 points. Déjà, moi, je croyais que c'était 50. Mais ça gratte 100 points, c'est incroyable. Hop. Ah, mais... Ah, et le deuxième, il est vraiment encore prêt. Hein. C'est chaud. Là, on se bat vraiment. Genre, le top 3, on s'en bat les couilles, hein. Oh le bâtard. Ok. Le top 3 on s'en bat les couilles. Par contre nous deux là on est vraiment en battle de qui va être le premier. Allez. Pour la vidéo, pour la vidéo. Et le fait que j'ai fait le premier kill. Et le fait que j'ai un camouflage hiver. Voilà, quand je jette une grenade hein, je sors le pistol. On n'est pas sur une ruée vers le skill hein. Pour le coup on va pas jouer que l'arme préférée. Genre si il y a une occasion pour sortir le cut derrière le dos d'un mec qui est en train de camper, tu vois, je vais le faire au calme. Bon, normalement il passe pas premier. Il peut encore hein, il peut encore. Mais normalement non. Yes. Oh, il était presque. S'il ramassait une plaque, il était premier. Wow. Du coup, j'ai juste envie de voir le pourcentage de précision. 31 plaques, 27, 19. Du coup, on est en positif.
on est en top 1. C'est parfait. Et du coup, combien de précision en sachant que j'ai sorti le pistolet et que j'ai loupé quelques balles? 69% de précision et le meilleur taux de kill de suite. C'est parfait les potes, c'est parfait. Sur ce les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du tout du coup à me dire si vous aimez bien la vidéo et le style de montage et comment ça donne avec l'enregistrement. Là je pense que j'ai vraiment besoin de retour sur ça. Parce que là, de toute façon, là au moment où je parle, j'ai encore pas vu ce que ça donnait. Du coup, moi je verrai au montage, mais j'ai quand même envie d'avis externe, on va dire. Et voilà, je vous en remercierai. Sur ce, vous connaissez le schéma, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, vous abonner, la partager à vos potes qui jouent à Warface. Sur ce, bye!